Attention, cette vidéo est un avis donné par l'orateur. Il n'a en aucun cas l'avis que tout le monde doit penser ou adopter. Donc ne mettez pas de commentaires offensants ou blessants parce que vous n'adhérez pas à l'avis. Cependant, vous pouvez toujours donner votre avis dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Bonjour à tous, ici BooboFan pour un nouvel avis du jeu. Il va être un peu spécial car je vais donner mon avis sur la démo de Splatoon qui était accessible le 9 mai à des horaires spécifiques. Je crois que c'était 5h, 6h, 13h, 14h et 21h, 22h. Alors, la démo débuta avec un petit tuto vraiment sympa qui explique les touches et comment jouer. Il était simple, accessible à tous, donc vraiment un bon point. Et on entrait ensuite dans le vif du sujet, les combats online. Alors d'abord on choisissait son arme, et après on partait dans une bataille pour 3 minutes. Alors niveau jouabilité, bah franchement c'est très jouable. C'est facile à prendre en main, et surtout chaque arme proposait un gameplay différent, ce qui laissait le choix au joueur de son type de gameplay. Et clairement ça c'est un très bon point. Graphiquement c'est vraiment très coloré et bien travaillé, j'ai rien à dire dessus. Musicalement, bah vu que j'étais concentré dans les combats, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'écouter, mais clairement ça va, c'est pas mauvais. Et les bruits des Zeeklings sont vraiment super sympas. Et franchement, on se prend facilement dans les batailles, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer. Parce que personnellement, j'aime pas trop les jeux online car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trichent, il y a énormément de lag. Mais franchement, sur ce jeu-là, je me suis vraiment bien éclaté, autant dans la victoire que dans la défaite. Donc franchement, c'est un très très bon point. Maintenant, parlons de ce que les gens veulent vraiment savoir, les armes du jeu. Alors d'abord, il y avait deux pistolets, qui sont franchement des armes très basiques, simples d'accès, et franchement un gameplay très accessible pour tout le monde, et je crois que beaucoup de gens ont été séduits par ce gameplay. Après, on a eu le rouleau. Donc franchement, cette arme, c'est mon coup de cœur. Il n'y a pas d'attaque à distance, mais un gameplay très bourrin, et je fonce directement dans le tas, entre guillemets évidemment. Mais vraiment très cool pour ouvrir la voie, malgré des lacunes défensives du fait qu'on peut pas attaquer à distance, et qu'on est directement premier sur la voie. Et pour finir, on avait accès au viseur, qui personnellement ne m'a pas trop convaincu, mais c'est vraiment une arme à distance qu'il faut utiliser en étant en hauteur, et pas trop accessible des autres. Mais sinon, je pense que si on maîtrise, ça peut devenir vraiment une arme qui peut faire rager énormément de personnes. Donc en clair, la démo est très efficace, elle vend très bien le produit, et surtout elle montre le fun que le jeu va avoir lors de sa sortie. Pour moi, le seul bémol reste l'absurdité des contrôles, qui, quand on joue au gyroscope, on ne peut pas utiliser le stick et vice versa. Mais sinon, Nintendo confirme que ce jeu sera vraiment un argument pour vendre des Wii U, et surtout que ça sera un best-seller de la Wii U. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'anecdote aujourd'hui, étant donné que c'est un épisode un peu spécial, mais dans le prochain avis du jeu, il y aura une anecdote. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo. Et on se dit à la prochaine dans des nouvelles aventures. Salut !